C'est bon. Merci. Bonjour les amis, comment allez-vous? On se retrouve, on est lundi de Pâques, donc joyeuse Pâques à tous! Bon, on se retrouve dans un parc d'attractions, on est à Walibi, c'est un parc qui se situe à 40-50 km de Lyon. Le parc est ouvert ce week-end, donc il y a pas mal de monde. Mais bon, on s'en branle. Du coup, j'ai été invité ici pour découvrir leur toute nouvelle attraction qui s'appelle Monor Rail ou un truc comme ça. Du coup, on va voir ce que ça donne en vrai. Je suis avec Gaël qui est au téléphone. On commence une petite journée remplie d'attractions, remplie de bonne humeur et remplie de sensations fortes. Attention parce que je flippe un petit peu, hein, on va voir comment ça se passe. Allez, courage. Bon les amis, je suis avec Gaëlle, elle était au téléphone. Bonjour Gaëlle. Je crois que t'es une grosse flippette toi dans les manèges. Non, elle c'est une warrior, c'est moi la flippette, j'ai un peu peur. Dans tous les cas, regardez la gueule des trucs, ça fait flipper. Quand même, quand tu regardes la gueule de la descente, tu flippes un peu. Mais non. Regarde, attends, regarde le truc. C'est la daube. Mais non, c'est où? Bobinon et revoyons la scène au ralenti, Jean-Michel. Oh oui, là il flippe sa grande race. Ah, il va vite. Ah, je dois avoir une gueule. Et toi? Tu dois avoir une tête, toi. C'était comme ça. Bon, après cette première attraction, on va faire le bateau pirate. Le bateau pirate, c'est ça, c'est un bateau qui... C'est un peu une balançoire, on fait ça. Et il monte à 90 degrés. Et quand on est en haut, on fait... Et quand on est en bas, on fait... Les amis, voici la raison de notre venue, Monor Rail. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est la toute nouvelle attraction de Walibi. En gros, on fait un parcours au milieu du parc, un peu partout, surélevé à 5 mètres de haut pour rechercher de l'or. Attention, ça va partir. Ah oui, ça va vite. Écoute, je trouve que c'est pas mal pour se reposer, pour se ressourcer et pour visiter le parc. Est-ce que, attends, le défi du jour, ce serait pas que je vainque ma... Je vainque ma peur. En gros, j'ai pas trop peur des parcs d'attractions quand ça fait ça, là, les loopings et tout. Par contre, dès que ça monte et dès que ça descend, je me chie dessus comme pas possible. Attends, putain, tu crois que je le fais? Ça va être drôle, tu vas faire une tête. Et puis en plus, le truc, c'est que tu sais pas quand ça part. Déjà, on va devant, on prend la température et on verra. Là, je flippe un peu. C'est que je flippe, là. Juste là, je flippe, là. Mais non, c'est tranquillou, mais vraiment tranquillou. Ah, putain. Ah, mais ça va, Gaël. C'est ça? Allez, ok, je fais, viens. Viens. C'est là. Ah non, Gaël, je peux pas.
petite sensation. T'as vu comme ils ont monté là? C'est juste là la sensation, hein, pas que tu l'as plus. Est-ce qu'il est temps d'abandonner? Oh putain. C'est attaché, hein. Non mais même non. Bah mets toi. C'est vrai? Ouais. Non, mais... Quoi, Gaël, YouTube c'est bien beau, mais ça nous fait nous dépasser. Il y a un an, je t'avais dit jamais, jamais je ferais ça. Et putain, je l'ai fait. Ouais. Oh, comme ma copine est une grande fan de cheval, à chaque fois qu'on voit des chevaux, il faut s'arrêter pour aller leur dire bonjour. C'est bien. Abonne-toi. Rebonjour les amis, je viens de rentrer de Walibi et qu'est-ce que je vois? Apparemment, je viens de me prendre des fucking coups de soleil sur la tronche. Ici, ici et là. Bon, l'avantage, c'est que je vais être bronzé au moins. Mais il va falloir attendre que je dérougisse et que je pèle. Bien. Bref, je voulais qu'on se prenne un petit moment quand même pour échanger. La dernière vidéo, je l'ai faite en 4K. Alors la 4K, j'ai eu un petit peu peur au début, tout simplement parce que j'ai un Mac Retina qui date de 2013. Alors il a un bon processeur, un i5 pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, il a 8Go de RAM et un disque SSD de 250Go. C'est une bonne config, franchement c'est pas trop mal. Je pensais honnêtement qu'il allait en chier sa race pour monter la 4K. Au final, il était plutôt rapide, certes ça laguait un petit peu à des moments, mais dans l'ensemble c'était plutôt cool. Donc, mon cher Hardy, je t'aime. Après, dans les faits, est-ce que j'ai mis plus de temps à monter le vlog que d'habitude? Un petit peu. Alors, c'est pas la phase de montage, c'est la phase de transfert. Par exemple, sur une vidéo qui dure 1 minute en 4K, elle fait 850 mégas. C'est pas mal. Donc, pour transférer l'équivalent d'un vlog, avant, quand je transférais les images du 700D, on va dire que pour un vlog, j'avais entre 30 et 50 gigas de rush. Ici, il faut multiplier par 2. Donc, juste le transfert de la carte vers l'ordi, ça prend plus de temps. Le traitement et le rendu, ça prend plus de temps. Je pense honnêtement que je vais garder la 4K vraiment pour les beaux vlogs, pour les beaux plans, pour les belles immersions. Et sinon, je vais quand même continuer de filmer en 4K. En 4K, qu'est-ce que je dis? L'avantage, c'est que quand on filme le même plan en 4K et en 1080p, en 4K, on a une bien meilleure qualité et un bien meilleur piqué dans l'image. Bref, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous fais gagner... Je vous fais gagner ce magnifique coffret KFC avec des chocolats saveur poulet frit. Eh oui les amis, c'est un petit peu dégueu, mais il y en a qui ont des couilles pour le manger. Donc comme je vous l'ai dit, on va se faire un petit tirage au sort en bonne et due forme. Ce que je dis, je vous ai pas parlé de tirage au sort, je vous ai dit que j'allais sélectionner le commentaire le plus créatif, celui qui me faisait rire, et lui envoyer pour qu'il teste ses chocolats. En termes de commentaires, j'en ai combien? J'en ai 209, j'ai 209 commentaires. Alors je vous assure que je vais tous les lire. Les critères sont très très personnels. Ce sera créativité, humour, autodérision. Voilà. Allez, je kifferai avoir ces chocolats au poulet pour les donner à manger à ma soeur car elle me fait beaucoup de fois les Oreos avec du dentifrice au lieu du lait. Oh, alors ça une petite guerre des familles. Ah, pour te manger de ta soeur, ça peut être pas mal, hein. Je veux ce chocolat pour tuer ma prof de maths. Je suis démoniaque. Oui maman, j'arrête YouTube, je vais me coucher, salut. Autre commentaire, écoute, j'ai testé les jelly beans au vomi. C'est quoi? Jelly beans? Ah sérieux? Ça existe? Goût vomi? Ah ouais, ah là, chapeau le gars, chapeau. Alors j'adorerais avoir ce chocolat au poulet car lorsque je suis né, j'ai failli mourir car il manquait une vitamine dans mon corps. Les médecins ont vite compris que je ne pourrais pas me développer normalement sans cette vitamine. Il s'agit du choco poulet de KFC.
Tu vas chercher loin, mon gars! Mais obtenir ce chocolat serait mon plus grand rêve, car il me permettrait de pouvoir faire fonctionner normalement mon corps et de me développer convenablement. Le mec t'a inventé une histoire de psychopathe pour remporter le poulet. Je dis oui! Je dis oui! Tu es sélectionné, Julien. Bon courage. J'aimerais gagner tes chocolats saveur poulet pour me lancer dans l'art. Je voudrais repeindre les murs de mes WC avec de la gerbe. Oh putain, vous êtes en train de m'achever. Oh, ça me fait trop marrer. Bon allez, je le sélectionne. A few moments later. Bon, je crois que j'en ai sélectionné quelques-uns. Je vais faire appel à Gaëlle et c'est avec elle que je vais trancher, les amis. Gaëlle, moi honnêtement, j'hésite entre Julien, ouais, là. Ouais, moi aussi. Et le vomi. Hein. Ouais, moi aussi, pareil. Exactement les mêmes. Bon, comme il a eu 12 likes. Ouais. Et que ma vie plus simple en a eu 0, on peut dire que Julien remporte ce poulet KFC. Bon bah Julien, tu remportes ce magnifique colis. Les amis, je me permets d'interrompre le vlog. Aujourd'hui, on est mardi. Je sais, c'est pas lundi hier où j'ai tourné la vidéo. Mais je viens de recevoir un mail de la plus haute importance. C'est un mail de KFC qui a vu ma vidéo donc ce matin. Et ils me disent que... Je vais vous lire. Je décris car j'ai vu que tu faisais gagner ton pot. Comme c'est de l'alimentaire, le transport est un peu délicat. Alors pour éviter que les chicken chocs arrivent fondus, je te propose que nous nous occupions de l'envoi. Première bonne nouvelle, Julien, tu auras un pot tout neuf. Et deuxième bonne nouvelle, le gagnant aura un pot tout neuf avec une date de péremption plus large que la tienne. Mon pot va jusqu'au 21 avril, c'est-à-dire dans 3 jours. Donc avec le délai du transport, tu aurais eu des chocolats KFC périmés. Pas cool. Si tu veux, tu peux faire gagner 5 personnes. Nous leur enverrons volontiers. Du coup, les amis, c'est pas un gagnant, c'est 5 gagnants! Putain, ça c'est bon! Les amis, si vous regardez cette vidéo, envoyez-moi un petit message soit sur YouTube, soit sur Twitter, soit sur Instagram en me donnant vos noms, prénoms et coordonnées complètes pour recevoir les pots KFC chocolat. Moi, je termine le montage puisqu'on est mardi et que je suis en train de finaliser tout ça. On se dit à dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Si vous voulez plus de concours, si vous voulez suivre un petit peu ce que je fais, si vous voulez voir le voyage aux États-Unis qui se déroule dans 9 jours, il n'y a qu'une chose à faire, abonnez-vous! Allez, salut les amis, ciao!